Voilà, chers auditeurs, vous êtes sur Inere Radio depuis Washington DC. Nous avons notre premier invité, Monsieur Ayrman Kamono-Mono, responsable du Parti démocratique gabonais aux États-Unis. Plus précisément, il est fédéral de cette formation politique au pouvoir depuis 2009. Alors, Monsieur Ayrman Kamono-Mono, bonjour. Monsieur Ayrman Kamono-Mono, bonjour. Bonjour, Dr. Moketou. Merci d'avoir accepté notre émission, émission spéciale sur le meeting de l'opposition gabonaise. C'est vrai que vous n'êtes pas de l'opposition gabonaise, vous êtes responsable fédéral du Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 2009 avec M. Ali Bongo Ondimba. Nous allons aussi recevoir vos collègues de l'opposition qui seront en ligne d'ici peu. Alors, première question, est-ce que vous avez peur de ce meeting que toute la classe politique de l'opposition va organiser dans moins de 2 heures au Carrefour Rio à Libreville? Mais, docteur Moketo, on n'a aucune raison d'avoir peur. Je crois que l'opposition est dans ses droits d'organiser un meeting. Et donc, je ne vois pas en quoi le Parti démocratique gabonais serait inquiété par ce meeting. Alors, le Parti démocratique gabonais n'est pas inquiet par rapport à ce meeting, mais est-ce que vous ne craignez pas que l'opposition mobilise autant de monde dans 2 heures et vous ne craignez pas cette mobilisation de masse, Monsieur Kamono-Mono? Mais lorsque vous parlez de craindre la mobilisation de masse, on sait tous qu'à Libreville, hormis les militants de partis qui viennent, il y a donc des curieux, il y a aussi même des membres du parti. Membres et sympathisants certainement du Parti démocratique gabonais qui habitent dans les environs, qui viendront voir ce qui se passe. Donc, je comprends que c'est un meeting qui aura lieu dans une place publique, donc n'importe qui peut s'y inviter et on n'est pas forcément tenu d'être de l'opposition pour y assister, n'est-ce pas? D'accord. Alors, vous confirmez qu'il y a des curieux qui vont arriver, et ainsi que certains de vos militants du Parti démocratique gabonais qui viendront assister au meeting de l'opposition gabonaise. Alors, avant de prendre les invités du Gabon, disons de vous êtes gabonais bien sûr, je voulais parler des invités de l'opposition. Alors, est-ce que vous pourriez présenter la situation politique de votre pays à tous ces auditeurs qui vous écoutent en ce moment? Ils sont nombreux, on voulait vous informer qu'ils sont nombreux en ce moment, par exemple à Libreville au Gabon et partout dans le monde entier. Quelle est la situation politique de votre pays? Nous avons retransmis de nouveau le meeting de votre président, M. Ali Bongo Ondimba. Que veut plus précisément votre formation politique par rapport à l'enracinement de la démocratie au Gabon? Mais le Parti démocratique gabonais est un parti qui, comme tout le monde le sait, est un parti qui est assis sur les principes de respect des règles démocratiques. La situation politique actuelle au Gabon est une situation qui est assez stable. L'on constate malheureusement qu'au sein de l'opposition, il y a un effort visant à peindre, n'est-ce pas, le climat politique comme étant celui-là qui est délétère. Les agitations constatées au sein de l'opposition nous laissent penser que l'opposition est tout à fait désorganisée. Elle est en train de se chercher
de chercher donc à se positionner sur l'échiquier national, mais ce n'est pas une tâche facile lorsqu'on a en face une formation politique qui est aussi bien enracinée que le PDG. Et donc le meeting d'aujourd'hui n'est que une énième tentative donc de courtiser donc l'opinion nationale pour arriver à se positionner comme une force en face du Parti démocratique gabonais et des autres partis de la majorité présidentielle. Quand vous dites c'est une façon de forcer la main, qu'est-ce que vous entendez par forcer la main? Vous pensez que l'opposition gabonaise est en train de forcer cette main à votre formation politique? Bon, je dirais tout simplement que le Parti démocratique gabonais est le parti le mieux implanté au Gabon. L'opposition est donc composée d'une myriade de petits partis qui, en général, sont établis dans des localités assez précises et non sur toute l'étendue du territoire. Donc, en se fusionnant au sein de l'UFC, ces partis politiques cherchent à trouver un terrain d'entente qui est déjà difficile à trouver. Et donc, difficile à retrouver alors que cette opposition est bien regroupée au sein de l'Union des forces du changement. Mais l'Union des forces du changement est née il y a moins de 3 semaines. Donc, c'est encore, ce n'est que nous ne sommes qu'au stade embryonnaire donc de cette formation et le meeting d'aujourd'hui est le premier meeting de cette formation. Nous avons par exemple constaté que dans le passé il y a eu ces genres d'alliances que je qualifierais de contre-nature au sein de l'opposition. Et nous savons tous comment ces alliances sont terminées et le Gabonais donc a constaté que l'opposition a du mal à accorder ses violons et tend toujours à blâmer le PDG pour ses mauvaises fortunes. Est-ce que vous n'êtes pas derrière, quand je dis vous, votre formation politique, vous n'êtes pas derrière toute cette division parfois qu'on a observée au sein de cette opposition? Ça vous arrange quand même de voir parfois l'opposition gabonaise divisée? Mais je dirais que ça, c'est pas notre souhait. Notre souhait est d'avoir en face de nous une opposition assez structurée pour que l'on puisse au moins s'asseoir pour pouvoir parler. Mais on remarque tout simplement que les différentes tendance au sein de l'opposition parle de langages qui sont parfois diamétralement opposés, et ce qui fait que en tant que PDG parfois nous ne savons pas quelle est en fait l'idéologie véritable prônée par l'opposition. C'est une myriade de points de vue qui est souvent véhiculé, et on ne sait pas en fait ce que l'opposition réellement veut pour non seulement le peuple gabonais, mais aussi dans son cette tentative donc d'instaurer un dialogue avec le Parti démocratique gabonais. Voilà. Chers auditeurs, vous êtes sur INRI Radio depuis Washington DC, émission spéciale sur le meeting qui sera donc animé par toute la classe politique de l'opposition à Rio au Gabon. Là, nous avons un invité du Parti démocratique gabonais depuis Washington DC, Monsieur Herman Kamonomono, qui est fédéral de cette formation politique au pouvoir depuis 2009. Alors, Monsieur Herman Kamonomono, quand on parle de démocratie, est-ce que votre pays, le Gabon, est véritablement ancré, enraciné, si vous voulez, dans la démocratie?
Je dirais comme tous les autres pays africains. Restons. C'est pas la première fois que vous me posez cette question. Oui, je vous pose cette question et restons au niveau du Gabon, ne généralisons pas. Restons au niveau du Gabon. Je vous parle du Gabon. Est-ce que le Gabon est un État démocratique depuis que vous êtes au pouvoir? Mais depuis que nous sommes au pouvoir, le Gabon a posé les bases de la démocratie. Et en 2012, aujourd'hui, on peut dire que le Gabon est un pays véritablement démocratisé, puisque le Gabon jouit donc d'une liberté de création de partis politiques. Et on observe aussi, comme aujourd'hui, l'opposition qui a obtenu donc l'autorisation de faire un meeting public, et c'est plusieurs partis de l'opposition. Lorsqu'on n'est pas un État démocratique, ça m'étonnerait que l'on puisse accepter que des partis politiques de l'opposition puissent organiser un meeting auquel n'importe quel citoyen peut participer, peut assister. Donc, quand vous parlez de ce meeting, est-ce que c'est normal dans le pays que vous êtes en train de décrire comme étant un pays démocratique, c'est-à-dire votre pays, le Gabon, que votre gouvernement, je vais parler de votre ministre de l'Intérieur, donne l'autorisation à l'opposition gabonaise d'animer ce meeting, et dans cette autorisation, vous demandez, vous dites à la fois que voilà, il y a des c'est un responsable politique de l'opposition qui ne doit pas parler au cours de ce meeting. Est-ce que, selon vous, la constitution gabonaise autorise un Gabonais d'interdire, par exemple, un autre Gabonais d'aller s'exprimer publiquement? Non, mais là, la question n'est pas de savoir si la constitution autorise certains Gabonais à s'exprimer au cours d'un meeting ou pas. Il s'agit de quoi? On ne peut pas fermer les yeux sur la situation actuelle de l'ex-Union nationale, parce qu'il faut préciser, l'ex-Union nationale est un parti qui a été dissous. Alors, la demande donc la demande légale donc d'autorisation de la tenue du meeting n'a pas été faite par l'ex-Union nationale. Oui, mais c'est une demande qui a été faite par l'opposition gabonaise. Donc, elle n'a même pas été faite par l'Union des forces du changement, qui est une structure qui juridiquement n'existe pas encore, puisqu'elle n'est même pas encore juridiquement, l'UFC n'existe pas encore. Alors donc, c'est plutôt les autres formations, donc l'ACR et autres, qui ont fait la demande et qui ont obtenu cette demande. Vous êtes sûr que c'est l'ACR qui a formulé cette demande, que c'est pas toute l'opposition gabonaise qui a formulé cette demande? Ou est-ce que vous n'êtes pas dans la position garantir que l'ex-Union nationale n'a pas formulé la demande. Donc l'ex-Union nationale... Est-ce que vous n'êtes pas dans la stratégie qui consiste à toujours chercher à diviser l'opposition gabonaise? Non, mais je crois que à certains moments, je crois qu'il faut il faut que le gouvernement, dans sa mission aussi de clarifier le jeu, les règles du jeu démocratique, doit faire certaines précisions, parce que on ne peut pas bien qu'étant en démocratie, on ne peut pas s'inviter dans un meeting alors qu'on n'y est pas, qu'on n'a pas été autorisé. Donc je crois que c'est la précision que le ministre de l'Intérieur a voulu faire. Il a voulu tout simplement dire aux formations politiques dont ils ont fait la demande légale que votre demande est accordée, mais rassurez-vous que nous ne sortions pas, que nous n'inventions pas de nouvelles règles en matière de tenue de meeting. Donc, il a précisé que
les membres de les responsables du parti dissous donc n'auront pas droit à une prise de parole pendant ce meeting auquel ils n'ont pas fait la demande. Donc, moi, je crois que c'est... Si je comprends, vous, ça vous fait plaisir de voir, par exemple, les responsables de l'ACER animer le meeting à Rio sans l'Union nationale. Vous avez, en fait, vous avez plus peur de l'Union nationale que, si vous voulez, les autres formations politiques. C'est bien ça? C'est ce que vous voulez exprimer ici? Mais c'est pas une question de peur. Je crois que ce qui se passe, c'est tout simplement que l'Union nationale, à plusieurs reprises, a posé des actes antidémocratiques. Et c'est des actes exemple, qui ne sont par exemple, pas comme acte antidémocratique posé par l'Union nationale. Mais la tenue donc d'un meeting non autorisé à Libreville, et pendant ce meeting, il y a eu des actes de vandalisme assez répandus et assez répétés. Et ça, je crois que dans un état de droit, il n'est pas, c'est tout simplement pas acceptable. Bon, très bien. Restez en ligne. J'ai Monsieur Aubame Gomo depuis Saint-Tropez, en France. Bonjour, Monsieur Aubame Gomo. Monsieur Aubame Gomo, est-ce que vous nous entendez depuis le sud de la France, Monsieur Aubame Gomo? Alors, M. Aubame Gomo a un petit souci avec son micro. Nous allons essayer de repartir depuis Saint-Tropez, en France. M. Aubame Gomo, est-ce que vous nous entendez? Alors, voilà, M. Aubame Gomo ne nous entend pas. Nous allons essayer encore de prendre M. Aubame Gomo. M. Aubame Gomo, vous nous entendez? M. Aubame Gomo, vous nous entendez? Voilà, très bien. Repartons donc du côté de Monsieur Herman Kamonomono. Alors, Monsieur Herman Kamonomono, finalement, je voudrais revenir sur cette interdiction concernant les responsables de l'Union nationale qui ne doivent pas prendre la parole au cours de ce meeting. Est-ce que vous pensez que Monsieur André Mbaobam, c'est votre bête noire? Non, mais Monsieur André Mbaobam n'est la bête noire de personne. Monsieur Mbaobam est tout simplement inscrit dans une logique. Pourquoi vous avez peur qu'il s'explique? Il est tout simplement inscrit dans une logique où il veut formuler ses propres règles en matière de démocratie au Gabon. Monsieur Mbaobam, il faut le rappeler, avait déjà s'était déjà autoproclamé président de la République. Monsieur Mbaobam a eu à commettre un certain nombre d'actes. Monsieur Mbaobam a appelé les Gabonais à l'insurrection. Monsieur Mbaobam a appelé la jeunesse gabonaise à se lever et à renverser le gouvernement. Donc il faut comprendre que le Parti démocratique gabonais n'a rien de personnel contre Monsieur Mbaobam, qui fut un camarade. Je crois que Monsieur Mbaobam est tout simplement dans une logique qui ne colle pas avec les règles démocratiques et c'est une responsabilité du gouvernement de le ramener à la raison. Et je crois que lui-même, dans le temps, étant ministre de l'Intérieur, il a eu à faire cet exercice où, lorsqu'il s'apercevait que les compatriotes étaient en train de violer des règles de base donc d'un état de droit, il était dans sa responsabilité donc de les ramener à la raison. Et je crois que il comprend très bien de quoi il s'agit. Et s'il fait exactement le contraire de ce qu'il est supposé faire, c'est tout simplement parce que il le fait de façon tout à fait consciente et c'est tout simplement pour chercher donc à semer la confusion dans l'esprit donc des Gabonais. Et je ne crois pas que ce soit tolérable dans un pays comme le Gabon. D'accord, très bien.
Restez en ligne, Monsieur Herman Kamonomono. Je voudrais rappeler aux auditeurs que vous êtes en direct sur INRI Radio Washington DC, édition spéciale sur le meeting de l'opposition gabonaise, meeting qui sera animé par toute cette classe de l'opposition gabonaise regroupée au sein de l'Union des Forces du Changement. Alors, nous avons en ligne Monsieur Télésphore Obamgomo, intellectuel gabonais, il est au sud de la France. Bonjour Monsieur Télésphore Obamgomo. Monsieur Télésphore Obamgomo ne nous entend pas, je crois qu'il a un gros souci avec son micro, et pourtant nous l'observons, on le voit en ligne. Alors nous allons repartir encore du côté de Washington, prendre Monsieur Herman Kamonomono. Alors Monsieur Herman Kamonomono, au regard de tout ce qui s'est passé, si vous voulez, dans des pays comme la Tunisie, l'Égypte, la Libye, etc., est-ce que vous n'avez pas peur de l'arrivée de ce qu'on appelle les révolutions arabes au niveau de l'Afrique centrale? Mais je crois que c'est une mauvaise analyse de la situation gabonaise. Lorsque en 1990, il y a eu donc le vent de l'Est. Le Maghreb n'a pas connu donc ce qui s'est passé au Gabon. Moi, je crois que c'est le même vent qui a soufflé, mais beaucoup plus tardivement dans le Maghreb. Nous, on a dépassé cette étape où il y a eu donc des insurrections et des gouvernements ont été renversés, d'autres ont été obligés de s'ouvrir au multipartisme. Ce qui se passe au Gabon, on a une opposition qui tend tout simplement à transposer des réalités d'ailleurs sur le Gabon. Et je crois que c'est une mauvaise stratégie parce qu'elle ne marche pas. Nous avons vu la prestation de serment de M. Mbaobam en janvier dernier, c'était une tentative de transposer une situation propre à la Côte d'Ivoire au Gabon, qui s'est soldée par un échec. Et donc, moi, je crois que l'opposition ne gagnerait pas à penser que les réalités du Maghreb peuvent s'appliquer au Gabon. Il faut que l'opposition soit beaucoup plus imaginative et beaucoup plus inventive. Et je crois que elle gagnerait à créer autre chose que de penser que ce qui se fait ailleurs peut forcément arriver au Gabon, et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Ça, personnellement, je pense que c'est une erreur qui est en train d'être commise par l'opposition. D'accord, très bien. Alors, nous allons essayer encore d'aller du côté de Saint-Tropez, au sud de la France. Monsieur Obamgomo Télésphore, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous reçois très bien. Vous nous recevez? Très, très bien. On vous reçoit très bien. Alors, Monsieur Télésphore Obamgomo, finalement, votre pays, est-ce qu'on peut parler d'un grand jour? Vous, en tant qu'intellectuel gabonais, est-ce que vous n'avez pas peur que le Gabon puisse se connecter, rentrer dans une confrontation directe entre l'opposition gabonaise et le pouvoir? Merci, docteur Moketu, de me donner la parole. Vous savez, je ne considère jamais comme un triste jour lorsque des compatriotes viennent à se rencontrer pour parler des choses qu'ils estiment essentielles. Mmh. J'ai salué la semaine dernière le meeting du PDG, la majorité, mon parti politique. Donc, je ne peux pas saluer, je ne peux pas cracher ou dire des médisances ou encore être triste lorsque des citoyens gabonais décident de se retrouver pour parler des choses, des intérêts, des choses qui les intéressent et des choses qu'ils veulent voir éclore dans notre pays. Alors, concernant le mot confrontation, ça me dérange. Ça me dérange parce que le mot confrontation, il faut l'encadrer, parce qu'il peut avoir plusieurs sens. On peut avoir une confrontation qui peut aller dans des dérives qui n'élèveront personne et serait dommage pour notre pays. Moi, je vous ai toujours dit, et je le répète ici,
je suis pour le dialogue entre les citoyens gabonais, parce que le Gabon ne peut pas se développer et ne se développera pas sans la force et l'adhésion des Gabonais, du moins sa majorité. Donc c'est pourquoi moi je prône depuis le début pour un dialogue franc et sincère, et je n'ai pas attendu l'idée d'une conférence de souveraine pour appeler au dialogue entre les citoyens gabonais. C'est depuis 2009 que je le dis. Ceux qui me suivent effectivement dans mes parutions assez régulières, assez fréquentes, peuvent effectivement consulter les archives de mes écrits et ils verront que j'ai parti de ceux-là qui ont toujours appelé au dialogue, parce que les idéaux du parti politique auquel j'appartiens prônent justement le dialogue. Dialogue, tolérance et paix. Je pense que tout ceci n'est pas incompatible avec le développement économique, comme certains veulent le faire croire. Je pense que dès qu'on a respecté le dialogue, on est plus tolérant envers autrui, parce qu'on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il veut, et ça n'aboutit qu'à la paix. Et un pays ne peut pas se construire sans paix. Donc je pense que tout ça c'est lié. Et tourner autour du pot et ramener le débat autour d'un individu ou deux individus, je pense que c'est trop réducteur de la situation du pays. C'est trop réducteur. Je ne peux pas accepter qu'on réduise nos volontés individuelles réunies en volonté collective au seul désaccord qu'on peut comprendre entre M. Ali Bongo Ondimba et M. André Bobane. Moi, je refuse cela, parce que ce n'est pas ça le Gabon. Le Gabon ne se résume pas à deux personnes, il se résume à 1,5 million de personnes si on s'en tient aux chiffres officiels. D'accord, très bien. Le Gabon ne se réduit pas à tout ce que vous êtes en train de dire. Revenons un peu sur ce meeting. Je voudrais signaler la présence de M. Bruno Ben Mobamba, depuis la France aussi, qui est en ligne. Revenons un peu, M. Obamgomo, sur ce meeting de l'opposition qui sera retransmis, chers auditeurs, en direct sur INRAI Radio dans moins de 2 heures. Alors, M. Obamgomo, vous avez dit le week-end dernier, nous avons suivi M. Ali Bongo Ondimba, votre président de la République, qui a animé son meeting devant ses militants. Alors, aujourd'hui, nous avons le meeting de l'opposition et votre gouvernement, plus précisément votre ministre de l'Intérieur, interdit les responsables de l'Union nationale en leur disant, voilà, on accepte le meeting de toute l'opposition gabonaise, mais il ne faudrait pas que les responsables de l'Union nationale s'expriment. Est-ce que, d'après vous, c'est pas une façon d'appliquer une dictature face à une partie de l'opposition, ou bien chercher tout simplement à diviser cette opposition? Si on veut rester sur le terme de la cohérence, je pense que le ministre est cohérent. Il est cohérent dans sa décision, en ce sens qu'il considère l'Union nationale comme étant un parti dissous. Donc, du coup, effectivement, s'il y a une rencontre, il ne peut pas cautionner, accepter que l'Union nationale s'exprime. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, c'est-à-dire on reste sur un plan d'appréciation générale. S'il veut rester cohérent avec lui-même, il ne peut pas tolérer qu'un parti politique qu'il a dissous puisse s'exprimer. Bon, moi je suis parti des démocrates qui avaient contesté la dissolution de l'Union nationale, parce que j'estimais que un parti politique dans une démocratie ne se dissout pas. Moi je me souviens du projet de société que j'ai défendu en 2009. Dans l'axe 1, il était clairement dit que l'opposition aura toute sa place comme la société civile et comme la presse. Bon, lorsqu'on dit ce parti politique pour répondre à effectivement un désaccord politique, je considère cela comme étant une faute politique, qui aujourd'hui d'ailleurs pose des conséquences claires. Des conséquences claires qui pourraient aboutir à l'affrontement entre différents individus. Donc, c'est ce que je redoute le plus, justement, parce que ça n'honorera personne. Ça n'honorera personne. Maintenant, mon point de vue, est-ce que l'Union nationale doit s'exprimer ou pas? Je considère que les Gabonais doivent toujours s'exprimer. Parce qu'au-delà du parti politique, il y a souvent des Gabonais. Le parti politique n'existe que parce que les Gabonais sont réunis pour pouvoir évidemment avoir des ambitions pour le Gabon. Donc, à ce titre-là, je considère que lorsque les Gabonais ont envie de s'exprimer, ils doivent toujours s'exprimer, mais tout en respectant le cadre légal. Moi, c'est mon point de vue sur la question. Parce que je considère que toutes les fois, étant déjà un homme libre,
je considère que nul ne peut empêcher à l'autre d'exprimer sa liberté. Donc c'est dans ce cas-là que j'ai accepté, je ne vais pas soutenir le point de vue, un point de vue qui empêche tous les citoyens de vraiment s'exprimer dans leur propre pays. C'est dans un état d'esprit que j'ai d'ailleurs publiquement condamné les dernières sanctions du CNC, des journaux Le Kirouya et le Grigio de la Griffe, qui pourtant, il y a quelques jours, quelques jours avant, avait effectivement dit des propos qui m'étaient complètement diffamatoires, c'est-à-dire qui n'allaient pas dans le sens d'une quelconque de respect de la personne que je suis. Mais je pense que ma petite personne n'est rien devant la grandeur du Gabon, devant les ambitions que nous devons tous porter pour le Gabon. C'est en ce sens que je condamne toutes les fois où les libertés individuelles ne sont pas respectées, ne sont pas autorisées. Et c'est là encore, je le dis, parce que je suis un homme libre. Je suis un homme libre. D'accord. Vous êtes un homme libre. Je voulais aussi signaler la présence de Monsieur Thierry Obiang depuis la France. Alors, Monsieur Obamgomo, restez en ligne. Vous savez, nous avons un long débat. Vous auriez beaucoup de temps pour vous exprimer par rapport à la situation politique dans votre pays qu'on appelle donc le Gabon. Alors, je vais d'abord aller du côté de Monsieur Bruno Ben Moubamba qui est en ligne depuis la France. Monsieur Moubamba, bonjour. Bonjour, docteur Moketou, m'entendez-vous? Je vous entends très bien. Je voulais d'abord vous transmettre nos félicitations. Nous avons appris que vous avez obtenu votre doctorat, je crois, en philosophie, c'est ça? Non, j'étais déjà docteur en philosophie. J'ai obtenu hier le doctorat en sciences politiques à la prestigieuse école des hautes études en sciences sociales à Paris. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Félicitations pour ce deuxième docteur. Vous avez pas mal de docteurs au niveau du Gabon. Si cela ne dépendait que de ça, je pense que le Gabon serait aujourd'hui un État démocratique, c'est bien ça? Écoutez, ce qui est important dans ce que vous venez de dire est très simple. Ce que signifie en fait un doctorat, c'est tout simplement que les nouvelles générations africaines doivent absolument apprendre les humanités occidentales et orientales pour pouvoir tout simplement faire de notre zone, qui est le Golfe de Guinée et l'Afrique, redonner à cette zone un rayonnement non seulement politique mais intellectuel, parce que vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc il n'y a aucune raison que nous n'exercions pas ce leadership aussi intellectuel autour de l'éducation, la science et la culture. Parce qu'il y a une double obscurité contre laquelle il faut lutter et dans laquelle les jeunesses gabonaises et africaines sont maintenues. D'abord l'obscurité de l'absence des vertus éthiques et morales. Et ensuite, l'obscurité de l'ignorance. Étant entendu que moi qui vous parle, je suis d'origine modeste, et c'est une fierté pour moi d'être d'origine modeste, je suis quelqu'un qui a cherché la connaissance par lui-même, sans attendre... Vous êtes, quand vous dites que vous êtes d'origine modeste, beaucoup de Gabonais savent que vous êtes bourgeois aujourd'hui, monsieur Moubamba. Non, ce qui est certain, c'est que je suis né dans un quartier difficile, qui est le quartier de la gare routière La Sorbonne. J'ai des parents très très dignes et très qui m'ont enseigné la dignité, les vertus morales. Et puis par là, j'ai dû me battre pour accéder à la connaissance sans le soutien de mon État. Mais je suis satisfait. Ce que veut dire tout simplement apprendre les humanités, c'est ce que l'Afrique attend de ses leaders, c'est-à-dire avoir une vision politique et économique, ainsi que tout simplement avoir le souci de redonner à l'Afrique, au Golfe de Guinée en particulier, le rôle de carrefour des idées, des sciences et techniques qu'il fut jadis, pour notre renaissance d'abord,
et le bienfait des générations futures. C'est ce qu'il faut voir tout simplement dans le besoin de la connaissance, parce que la connaissance, ce n'est pas parce que on s'est réuni en loge tous les soirs pour faire de l'ésotérisme égyptien ou tout simplement apprendre le symbolisme qu'on accède à la connaissance. La connaissance s'appuie sur l'intelligibilité des phénomènes, c'est-à-dire la conscience intellectuelle et la maîtrise des phénomènes. Ce n'est pas une conscience magique qui fait le développement ou la sorcellerie, pour utiliser un terme qu'on m'a entendu utiliser. Il s'agit d'abord de la maîtrise de l'intellectualité pour devenir maître et possesseur de la nature. Voilà, c'est important pour notre continent. Moi, je suis fier d'être né dans des conditions compliquées, de m'être battu jusqu'à aujourd'hui pour accéder par moi-même à un certain niveau de connaissance sans me corrompre. Et j'insiste là-dessus. D'accord, très bien. Revenons maintenant sur le meeting de l'opposition gabonaise. Vous êtes membre de cette opposition dans le parti qu'on appelle, donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont nombreux en ce moment à travers les quatre coins du monde, membre donc de l'Union du peuple gabonais, UPG. Alors, est-ce que vous avez une analyse à faire par rapport à ce meeting? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le pouvoir en place interdise une formation politique et accepte que les autres formations politiques aillent s'exprimer devant le peuple gabonais? Monsieur Bruno Benmobama. Oui, vous avez bien fait de rappeler que je suis à la direction de l'Union du peuple gabonais. Mais pour moi, c'est un motif de fierté d'avoir aussi participé à la fondation de l'Union nationale, parti dissous aujourd'hui. Personne ne m'enlèvera jamais le fait que je fus et je reste pour l'histoire un des cofondateurs de l'Union nationale, même si j'ai abandonné cette formation politique avant sa dissolution. Mais je continue à revendiquer intellectuellement le fait que je suis, pour l'histoire, un des fondateurs de l'Union nationale. Et personne ne pourra nier ici que je fus fondateur de l'Union nationale, non pas en raison de la bonne volonté de X ou Y, mais en raison d'un combat que j'ai mené contre le système Bongo. D'abord, le père Omar Bongo à la fin de sa présidence, et aussi au moment de l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. Maintenant, je suis à l'Union du peuple gabonais pour des raisons qui sont les miennes, parce que je considère qu'intellectuellement, Pierre Mambondo est mon père politique. Je fus fondateur de l'Union nationale à cause de contingences politiques liées à l'élection présidentielle du 30 août 2009. Je désapprouve totalement la dissolution de l'Union nationale et je fais partie de ceux qui demandent que l'interdiction touchant l'Union nationale soit levée. Mais précisément, vous m'interrogez sur la manifestation d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a d'un côté le problème de l'autorité légale du Gabon qui n'est pas légitime à nos yeux. Mais elle n'est pas moins légale, parce qu'aux yeux de la communauté internationale, c'est le gouvernement d'Ali Bongo qui est au pouvoir. On ne peut pas changer cela. Son pouvoir est illégitime, mais il est légal, parce qu'il s'appuie sur des institutions imparfaites, mais des institutions quand même. Ce pouvoir s'appuie sur le fait que, pour interdire cette manifestation, elle dit, supposer que le Parti démocratique gabonais demain se retrouve dans l'opposition. Est-ce que le nouveau pouvoir qui viendrait de l'actuelle opposition ou d'ailleurs accepterait que on vienne tout simplement marcher sur l'autorité de l'État? Ça peut s'entendre quand on réfléchit un peu. Cet argument est tout à fait recevable. Cependant, j'entends aussi la plainte
de l'opposition que nous représentons, même si moi je ne suis pas d'accord avec toutes les stratégies de l'opposition, je pense que nous n'avons pas une bonne stratégie pour démanteler le système Bongo. Nous devons donc améliorer notre stratégie. Cependant, on ne peut pas comprendre l'interdiction de la manifestation aujourd'hui à un parti, comme l'Union nationale, même dissous, parce que c'est ici une violation, dans ce cas, du droit international. Je m'explique. Vous savez donc que l'idée d'un droit de résistance fait appel à des notions simples. Tout pouvoir politique est normalement institué par une communauté pour son propre bien. Alors, maintenant, là où ceux qui sont chargés du gouvernement trahissent cette mission et utilisent le pouvoir qui leur est confié pour opprimer le peuple, ben celui ici a le droit de s'opposer à ses gouvernements. Ça, c'est ainsi conçu, donc vous comprenez, docteur Mouketou, que le droit de résistance à l'oppression figure avec la liberté, la propriété, la sécurité, au nombre de ce qu'on appelle les droits naturels et imprescriptibles de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors sans ce droit de résistance, les autres droits sont lettre morte. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas reprocher à une communauté politique de faire appel au droit international, c'est-à-dire au droit de résistance. Donc vous comprenez que aujourd'hui, nous sommes devant un blocage qui explique la nécessité d'une conférence nationale, en tout cas d'états généraux politiques, souverains si possible, parce que nous sommes le blocage dont on parle. Mais il est tout simplement basé sur le fait que, d'une part, il y a une autorité légale qui a toutes les accréditations du pouvoir, notamment au niveau de la communauté internationale. Et d'un autre côté, il y a le droit international que revendiquent tout simplement la population et les représentants d'une partie de la population, c'est-à-dire l'opposition, c'est-à-dire les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2 de 1789, et qui a été reconnu en 1948, eh bien précise tout simplement que le droit de résistance est un droit des peuples à partir du moment où les peuples estiment que le gouvernement trahit sa mission, qui est tout simplement de servir le bien public. D'accord. Avez-vous bien compris? Oui, j'ai bien compris. Restez en ligne, monsieur Moubamba. Je vais d'abord aller, monsieur docteur Obian, restez également en ligne. Je vais d'abord aller du côté de monsieur Obamgomo. Monsieur Obamgomo, finalement, c'est que monsieur Obam, disons, le docteur Bruno Ben Moubamba est en train de dire, ça va dans le même sens de vos analyses, c'est bien ça? Mais ça va dans le sens de l'analyse que tout démocrate gabonais soutient. En ce sens que les libertés individuelles devront être respectées. Quand on prend des engagements sur un plan international, il a fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où le Gabon a ratifié effectivement, puisque c'est inscrit au préambule de la Constitution gabonaise. Donc du coup, moi je ne peux que, nous pouvons qu'être d'accord sur ces points-là. Parce qu'effectivement, d'autant plus que, comme je vous le disais précédemment, ça rentre complètement en contradiction, ou un certain comportement que je dénonce, rentre en contradiction avec le projet que j'ai soutenu en 2009, donc, c'est-à-dire l'axe 1 précisément. Donc vous comprenez très bien que je ne peux pas soutenir toute forme de bâillonnement ou toute forme de frein à la liberté d'expression. Je peux pas, d'autant plus que je suis quelqu'un qui est très actif dans les médias. Donc, selon les médias, je ne peux pas me permettre de pouvoir, évidemment, être cautionné avec toute forme de censure. Je pense qu'il existe des méthodes, des manières de faire qui sont beaucoup plus démocratiques, qui sont beaucoup plus respectueuses, en tout cas, de la liberté d'expression des individus. Très bien. Alors, monsieur Bruno Ben Bamba, restez en ligne. Je vais prendre le docteur Thierry Obion, qui est en ligne depuis la France aussi. Bonjour, docteur Obion. Oui, bonjour, docteur Mouketou. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Alors, vous êtes sur INRAE Radio en exclusivité, meeting de l'opposition gabonaise, regroupé autour de, si vous voulez, de l'Union des Forces du Changement. Est-ce que c'est un rêve ou bien c'est une réalité par rapport à cette opposition qui semble, bon, certains sont un peu méfiants. On a entendu qu'il y a Maître Maïla, je ne sais pas si c'est fondé, qui ne va pas assister au meeting, si c'est un membre de l'Union nationale prenait la parole parce qu'il n'a plus l'âge de courir face à vos forces de sécurité. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est juste encore une plaisanterie politique, monsieur Docteur Obiang-Gema? Enfin, j'ai pas très bien saisi le sens de votre question, hein, si vous pouvez me la répéter. Le sens de ma question, est-ce que cette union est une union pérenne ou bien c'est encore une plaisanterie politique au sein de l'opposition gabonaise? Écoutez, docteur Mouketo, je pense que l'avenir politique du Gabon ne se dessine pas seulement par les actes que vont poser les responsables politiques actuels. Nous sommes à un autre niveau et je peux vous garantir que l'union des forces du changement s'est bâti sur la volonté de faire aboutir une conférence nationale souveraine. Ce que je peux dire à tous les Gabonais, et que tous les Gabonais l'entendent, la conférence nationale souveraine va avoir lieu. Il ne s'agira pas d'une concertation, il ne s'agira pas d'une discussion, il ne s'agira pas des arrangements. Nous allons organiser la conférence nationale souveraine au Gabon dans le tout prochain jour, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été imaginée par les propriétaires de l'idée. Donc que l'Union des Forces du Changement tient un meeting aujourd'hui qui fasse la promotion de la conférence nationale souveraine, c'est un plus. Mais je peux vous garantir que l'avenir politique du Gabon, en tout cas le changement que les Gabonais espèrent, arrivera avec ou sans le responsable politique de l'opposition actuelle, avec ou sans le pouvoir actuel. Donc le changement arrive, que les Gabonais s'y préparent. En tout cas, tous les leviers ont été actionnés, les indicateurs sont au vert. Nous allons donc entreprendre ce qu'il faut pour faire aboutir ce projet de conférence nationale souveraine qui n'a pour objectif d'exclure personne de l'avenir du Gabon. Nous avons pour ambition, en tout cas, de discuter, d'échanger avec les responsables du PDG, dont beaucoup sont déjà prononcés en faveur de la conférence nationale souveraine, avec les responsables de l'opposition qui resteront, on va dire, déterminés sur cet objectif-là, avec des Gabonais, c'est pour ça qu'on a ajouté la notion de souveraineté, et avec les Gabonais de la diaspora. Donc la conférence nationale souveraine arrive, elle va avoir lieu, elle sera organisée dans l'esprit que les Gabonais attendent, et non pas sous forme de concertation, de magouille ou d'arrangement entre classes politiques. Donc voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. L'avenir politique, je le précise, du Gabon ne se résume pas à un meeting tenu par l'opposition gabonaise à Paris ou à une formation d'ailleurs l'opposition gabonaise est venue au sein de l'Union des Forces du Changement. Elle, se résume à la détermination des Gabonais qui ont pris l'engagement de faire aboutir ce projet pour que le Gabon puisse désormais s'inscrire vers la voie du changement. Donc voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Maintenant, par rapport à l'interdiction d'une... Voilà, justement, par rapport à l'interdiction de l'Union nationale, est-ce que vous avez une analyse à faire sur cette interdiction? Est-ce que vous trouvez que c'est logique que on donne la parole à une partie de l'opposition quand on l'interdise à une autre partie de l'opposition? Vous savez, docteur Mouketou, que moi, je n'ai pas l'habitude de discuter, de donner des points de vue sans aboutir à quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, en tout cas pour les Gabonais, ce n'est pas surprenant qu'une telle décision vienne d'un ministre du PDG. Vous savez, sur quoi un ministre de l'Intérieur qui a un objectif clair, qui lui a été défini par son chef, c'est-à-dire défendre Ben Ali et ses étrangers, c'est-à-dire tout pour Ben Ali et ses étrangers et rien pour les Gabonais. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'Union nationale va s'exprimer au meeting de Rio qui va débuter dans quelques instants, et ce n'est pas parce que le ministre de l'Intérieur a dit qu'on va le respecter. L'Union nationale va s'exprimer au meeting de 14h avec ou sans la décision de M. Ndongo, qui est pour mission de défendre Ben Ali et ces étrangers qui gèrent le Gabon aujourd'hui, une situation qui n'est pas normale, que les pré-PDG ne devraient pas accepter. Donc, qu'on discute pendant longtemps sur est-ce que c'est bien, pas bien, bon, nous savons de qui vient la décision du PDG, d'un ministre du PDG qui a une mission bien définie, qui est peut-être légale mais pas légitime. Donc, l'Union nationale va s'exprimer, prendra la parole, en tout cas je l'espère. Pour moi, ce qui sera anormal, c'est que les autres leaders politiques
de l'Union des Forces de Changement qui organise un meeting aujourd'hui accepte la décision prise par le ministre de l'Intérieur. Ça nous ferait reculer de plusieurs pas en arrière. Vous voyez, aujourd'hui, l'Union nationale va s'exprimer au meeting et j'espère que les leaders politiques qui constituent l'Union des Forces de Changement vont soutenir cette idée de faire exprimer ou de faire parler, en tout cas ne serait-ce que le président de l'Union nationale, pour faire vivre la démocratie dans le pays. On ne peut pas accepter de telles décisions qui sont des décisions arbitraires prises encore une fois par un ministre du PDG. D'accord, très bien. Docteur Obiang Nguema, mais qu'est-ce qui se passe? Obiang Nguema, c'est le président de la Guinée. Docteur Obiang, restez en ligne. Je vais encore repartir du côté de M. Obamgomo et M. le docteur Bruno Benmoubamba. D'abord, docteur Bruno Benmoubamba, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite par votre compatriote docteur Obiang? Bien entendu, c'est une analyse extrêmement pertinente. Parce que elle revient sur la nécessité d'une conférence nationale. Si vous me permettez d'un mot, je voudrais justement dire un mot sur cette conférence nationale. En tout cas, je crois que il faut que le pouvoir gabonais et l'opposition comprennent que ce blocage politique existe. Il faut en effet, comme dit le docteur Obiang, qu'il y ait une conférence nationale souveraine au Gabon, étant entendu que la souveraineté n'est pas là pour déshabiller X ou Y, mais tout simplement pour redonner le pouvoir ou la parole au peuple. Pourquoi il faut une conférence nationale sur des bases politiques et intellectuelles? Parce que tout simplement, un pays comme le nôtre doit retrouver ce qu'on appelle l'esprit des lois à travers un nouvel acte démocratique. Parce que depuis des décennies, et particulièrement depuis le 30 août 2009, la République gabonaise est totalement en dehors d'un cadre légal qui garantit le contrat social entre tous les Gabonais. Je veux dire que le pays n'appartient ni à l'opposition, ni au pouvoir. Un pays, ça s'organise sur la base d'un contrat social entre ses citoyens. Donc, docteur Moketou, docteur Obiang, monsieur Obamgomo, je crois que vous conviendrez avec moi qu'il y a un vide juridique à combler au Gabon. Il y a eu une succession de coups d'État électoraux, il y a eu de nombreux fonctionnaires qui ont été mis à la porte malgré la paupérisation, la pauvreté, la cherté de la vie. Personne ne se soucie aujourd'hui de ce que deviennent ces gens qui sont assis à la maison, qui ont femme et enfants. On ne peut pas rester comme si rien ne s'était passé. Et puis il y a eu cette discussion sur laquelle rien n'est clair entre l'UPG et le parti au pouvoir garanti au niveau international par la France de Nicolas Sarkozy. Et on a retrouvé soudainement le président de l'UPG mort le 15 octobre 2011 à son domicile. Je pourrais ici égrener un chapelet de problèmes, entre autres le problème de la dissolution de l'Union nationale. En gros, ce que je veux dire, c'est que le Gabon a accumulé trop de contentieux. Il faut absolument aplanir des contradictions intenables dans le pays avant qu'il ne soit trop tard. Si les autorités gabonaises et l'opposition étaient plus convergentes que cela, chacun devrait aujourd'hui être inquiet de l'affaiblissement des normes éthiques au Gabon, parce que tous ces problèmes de crimes rituels, jusqu'à quand ça va durer? On parle d'inceste dans les familles. Et à propos des crimes rituels, ce qui est plus dangereux encore dans votre pays, monsieur docteur Bruno Benmoubamba, c'est que vous avez des pasteurs maintenant qui sont impliqués dans ces crimes rituels. Ça devient catastrophique, c'est bien ça? En effet, il y a un affaiblissement des normes éthiques au Gabon et il y a surtout une corruption à tous les étages qui gagne la société gabonaise, et je ne parle même pas des discours ethnicisants et aussi de la montée de la xénophobie.
et qui fait qu'aujourd'hui, les Gabonais ont le sentiment que les étrangers leur ont pris leur pays. Donc, c'est pour cela que des leaders et des acteurs sérieux devraient comprendre qu'il faut, dans cette situation, un nouvel acte démocratique nécessaire pour apaiser les choses. Il ne s'agit pas d'un partage du gâteau, mais de ce qu'on appelle un compromis républicain. C'est un compromis républicain et non pas un partage du gâteau. Mais dans ce cas-là, ce ne serait pas sérieux. Il faudrait, passez-moi l'expression, pendre tous les acteurs qui participeraient à une conférence nationale et qui serait tout simplement au détriment du bien des Gabonais. La conférence nationale peut permettre, par défaut, en l'absence de loi satisfaisante pour tout le monde, donner un contenu républicain au vide actuel. Et il n'y a aucune raison de ne pas l'accepter, y compris de la part du chef de l'État légal, même s'il n'est pas légitime. Il faut toujours le rappeler. Bien, merci, monsieur docteur Bruno Benmoubamba. Alors, docteur Obian, vous êtes d'accord avec cette analyse du docteur Benmoubamba? On peut dire monsieur, hein, c'est pas nécessaire de m'appeler docteur. Je vous en prie, nous sommes dans le système anglophone. Vous êtes sur Inter et Radio depuis Washington, D.C., docteur Bruno Benmoubamba. Docteur Obian, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le docteur Bruno Benmoubamba? Oui, c'est-à-dire que oui, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ce qu'a dit le docteur Moubamba, mais ce qu'il faut rajouter, c'est que dans tous les cas, même, soyons-en sûrs, nous allons passer par une étape de discussion. C'est-à-dire que la discussion peut se faire, c'est-à-dire de manière organisée, structurée, on se retrouve, on discute, on remet tout à plat, on remet en place le pays avec de nouvelles institutions, ça peut se faire. Mais ça peut également se faire après s'être battu, après s'être confronté, après s'être entretué, on finira toujours par aboutir à ou par arriver à une table de discussion pour résoudre le problème du Gabon. Donc, ce que nous proposons, nous, est simple, c'est qu'avant d'en arriver là, plutôt que de nous battre avant pour essayer d'obtenir quelque chose qui forcément va arriver, asseyons-nous autour d'une table, autour d'une conférence nationale souveraine à laquelle participe fortement le peuple pour remettre le Gabon sur le chemin du développement. En tout cas, il n'y aura pas d'émergence au Gabon tant qu'une partie de la population se sentira exclue, mise à l'écart, tout ce qu'on veut, contre une autre partie qui ne veut que préserver ses privilèges. Donc, allons-y à la conférence nationale souveraine et nous irons à la conférence nationale souveraine. Maintenant, est-ce que nous irons à la conférence nationale souveraine avant ou après s'être, on va dire,